Je suis enceinte de 5 mois, révèle Camille Serragala, en kiosque ce jeudi 27 avril. Un heureux événement prévu pour la mi-août, qu'elle attend avec son compagnon Théo Fleury, qui a fait sa connaissance devant sa télé, le soir de mon élection de Miss France, en 2014. Il a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, raconte l'ancienne reine de beauté de 28 ans. À l'époque, la jeune femme sort d'une rupture amoureuse douloureuse, après 2 ans avec un certain Cyril Théo Fleury, lui, est déjà avec quelqu'un quand je me suis séparée, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. J'ai écrit à Camille sur Instagram et il ne s'est rien passé pendant des semaines. Et puis, un soir, elle m'a répondu. On a commencé à discuter, à rire des mêmes choses. C'était hyper fluide, se souvient le mannequin natif de Caen. En parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire, avait expliqué l'ami d'Iri Mittenard dans sa story, en mai 2022. Supérieure à Eugénie Diorc, Adam Levine, Pauline, mariée au premier regard. Ces naissances qui ont marqué l'année 2023, le grand projet de Camille Serre et Théo Fleury n'était pas d'avoir un bébé, mais... Et il faut dire que les deux amoureux se sont bien trouvés puisqu'ils ont tous les deux évolué dans le milieu du mannequinat, sont des amoureux de la nature et des voyages et ont également beaucoup d'ambition. Une complicité que la jeune femme de 28 ans n'hésite d'ailleurs pas à partager avec ses abonnés. On fait des projets à long terme, ça se passe super bien. Je suis très contente, s'était-elle enthousiasmée. En mai dernier, Camille Serre et son compagnon avaient d'ailleurs annoncé l'achat commun d'une maison à Lille, d'où l'entrepreneuse est originaire. C'était ça le grand projet dont on vous parlait et qui occupait nos esprits depuis plusieurs mois, avait alors révélé la jolie blonde. Un véritable coup de cœur mutuel pour le couple, qui n'avait pas forcément prévu d'en avoir, des enfants, note de la rédaction, si vite. Ou d'en avoir tout court. Moi, je n'ai jamais ressenti cette envie viscérale de devenir maman. Même petite, je ne jouais pas à la poupée, confie à Gala Camille Serre. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, agence.